Dès nos premiers séjours à Djelboun, nous avions remarqué, au centre de l'actuel village, de nombreux vestiges de maisons anciennes. L'idée nous est rapidement venue de réhabiliter une de ces maisons pour en faire un lieu culturel et associatif, ouvert à toute la population du village, en particulier aux jeunes garçons et filles. À l'intérêt socioculturel du projet s'ajoutait un fort enjeu patrimonial pour un village dépossédé d'une grande partie de ses terres et de son passé par la colonisation sioniste. En face, la salle multi-activité et à gauche, derrière le mur écran, des sanitaires. Une première cour. À droite, la salle de réunion. Le passage entre les deux cours. La deuxième cour. En face, la bibliothèque. À gauche, derrière le mur écran, le studio pour hôte de passage. La kitchenette, le bureau et la deuxième entrée, qui est en fait l'entrée principale. En 2012, nous visitions ce lieu pour la première fois et nous nous entendions verbalement avec son propriétaire. La salle multi-activité, l'intérieur de cette salle, au centre de l'image, la salle de réunion, le passage entre les deux cours, le studio, l'intérieur du studio, la bibliothèque, la kitchenette et l'entrée principale. C'est en 2014 que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Nous avions le lieu, un partenaire associatif pour l'animer, l'association Jason, rencontré à de nombreuses reprises, un partenaire technique pour la réhabilitation, l'association RIWAC, spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine bâti palestinien, des partenaires financiers, RIWAC encore pour 80% du coût des travaux, la région Midi-Pyrénées, qui intervenait par le biais de l'association toulousaine Les Amis de Djelboun, le département de l'Aude, partenaire depuis des années de notre jumelage, et la municipalité de Bages, jumelle de Djelboun.
Bravo. الحمد لله منير العقول بالعلم الوفير ومانح من الخير ما هو أكثر بكثير. أما بعد، نرحب بضيوفنا الكرام ونحييهم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحاج عدنان أبو الرب رئيس بلدية مرج بن عامر المحترم وكامل هيئة المجلس البلدي المحترم. القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الفرنسيين الذي يستضيف الفرنسيين في بيته وعلى حسابه الخاص، شكرا له ولأولاده علاء وعبد السلام على هذا الإنجاز. كيف ولا وهم أبناء جلبون ينتمون إلى جلبون رغم أنهم في طالوزة في فرنسا. ولكل أهل الترحال كبار وصغار، شرفونا آباءنا وأجدادنا في بيت الأجداد، في بيت الجميل. جمعية صندوق الطالب والتعليم الخيري جمعية ناشئة أنشئت سنة 2009 من مجموعة من شباب هذه البلد للعناية بأمور الطلاب. Je suis très fière de me trouver parmi vous pour l'inauguration de la Maison pour tous, El Beit Al Jamia. Cette Maison pour tous, enfin réalisée ici, en territoire occupé de Palestine, est un lieu de création et de rencontre pour tous les habitants du village et aussi un lieu d'échange culturel avec l'accueil des visiteurs. Sylvie, Jean et moi tenions, malgré un contexte très difficile, à être vraiment avec vous pour cette inauguration. Donc, au nom de la mairie de Barges, au nom de ses élus, je vous dis merci d'avoir travaillé ici à Jalboun pour que ce projet partagé soit enfin réalisé. Et encore merci à tous les partenaires qui ont soutenu sans se décourager ce projet qui est un symbole d'échange et de liberté. Merci à tous. Shukran. Shukran. Et ici, il y avait des escaliers. D'abord, on monte, après on monte les escaliers pour arriver, parce que les moutons ici, les animaux. Les moutons ici. Les moutons, les animaux. Ah ouais. Donc il y avait des escaliers à 80 centimètres. Ouais, ouais. Très content de pouvoir venir après la réhabilitation. Bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus à notre petit village et à notre maison, la Maison pour tous. Nous voulons remercier tous qui ont participé
et qui nous a aidés à finir ce grand projet. Et surtout, nos amis français qui viennent de très loin. Vous êtes toujours les bienvenus de votre deuxième village. Nous voulons aussi remercier le peuple français, Bursais et tout pour la Palestine. Finalement, je vous espère un très beau séjour en Palestine. Les élèves du cours de français. Merci. Oh.